Hein? Pas que je rigole. Ah, bon, on est prêt. T'es vrai? Oui. Bon. Bonjour les amis. Coucou les amis. Vlog. 62. 62 déjà. Ça va vite, voilà, hein? Oh, ça va vite, hein? Eh oui. Ah oh, oui. Eh oui. Bon, allez, on envoie le générique. Ouais. Générique! Oui. Voilà. Ouais. Bon. Que va-t-on dire? Bah, tout ce qu'on a fait cette semaine. Ah ouais, cette semaine. Ah, on ouais. On est à São Paulo. Santa Paula. Attention, attends, chérie. Toujours pareil. Hein? Oui. Bah, je vous disais donc qu'on est à Santa Paula. Paula. T'es sûr que c'est ça? Oui. Santa Paula. Et c'est très, très joli endroit. Ah oui, oui. Bah écoute, on va aller vous laisser regarder, non? Oh bah oui, parce que on va pas tout leur raconter, hein. Non, mais non, sinon c'est pas la peine. Tu vas spolier. Bon, allez les amis, regardez ce qu'on a fait. Bonjour, nous sommes Merthe. Ah non, regarde, tu vois la caméra, elle est pas bonne. Ah chérie. C'est bon là? Bah je sais pas, faut regarder le futur, ma chérie. C'est bon, oui, c'est bon. Nous sommes lundi le 15 et nous prenons de nouveau la route. On va dans un autre air, un camper. Non. C'est pas ça. Non. On se rapproche un peu plus. On a décidé de faire 100 km par 100 km pour remonter. Logiquement, je pense qu'en 10 jours, on devrait atteindre la frontière française. Là, on va voir comment ça va se faire. Là, on est en train de rouler tranquillement. On a repris la route. On va tourner à gauche. Ah ouais. En fin de compte, ouais, bon, le temps c'est bien. Il n'est pas trop chaud, pas trop froid. C'est juste ce qu'il faut. Bon. Ah là là. Une descente. Oui. On va se diriger tranquillement. Alors, on se voit un peu plus tard. Hein. À plus dans le bus. Ah ouais. Ouais, regarde ce côté, il y a ce
qu'on voit là-bas, c'est Mola, ou je sais pas où ça me fait. Ah, dans combien de temps? Oh non, mais là. Voilà. Il y a quoi? Bon, ça va, il n'y a pas trop de... À peine 200 mètres, tournez à gauche sur les rétragineurs. Puis tournez à gauche. Il y a de la place, tu crois? Oh là là. Notre destination s'approuve sur la droite. Il se taise, lui, parce que sinon ça va aller mal pour lui. Des tentes et des caravanes. Contrôle de la température. Oh. Voilà. Et les chiens, pareil. Hein. Voilà. Voilà. Alors, vous avez dû remarquer qu'on a fait des tours et des contours parce que les deux endroits qu'on devait trouver pour se poser, hein Mina? Oui. On n'a pas eu de chance avec, hein? Ah non. Hein? Et les deux endroits qu'on a vus? Ils étaient complets. Non, pas tout à fait complets, chérie. Un était complet et l'autre, elle... Voilà, un était complet et l'autre, elle était fermée à cause de la Covid. Et en plus, bon, c'était tous les deux, c'était pas des Espagnols, hein. C'était des gens qui devaient faire ça. Bon, je vous mettrai pas, les coordonnées GPS, ça vaut pas le coup. En plus, bon, là maintenant, on a trouvé quelque chose. On est allé du côté de Santa Pola et à la ville de Santa Pola, et on a réussi à trouver une aire de camping, comme on fait, vous savez, les petites aires toutes simples, là. Et là, il y a quoi, il y a même pas six ou sept camping-cars. Et encore camping-cars. Non, c'est plutôt des caravanes. Ce sont des gens qui sont à l'année, d'après ce que j'ai compris. On va vous montrer ça tout à l'heure, en faisant la petite balade. Là, maintenant, on va se poser un peu, parce que, moi, cette route, elle m'a carrément, je sais pas si vous le voyez déjà, j'ai pas la même énergie là. Bon, allez, c'est pas grave, ça va passer. Et je vous dis pas plus dans le bus parce qu'on va pas rouler là. Hein. Bon, une chose est sûre, c'est que on nous a donné, tiens, passe-moi le dessin là, je vais vous montrer ça. Il nous a donné une carte de, là, c'est comme ça. Voilà, Santa, le site de Santa. Attendez, je sais pas si vous allez le voir. Attendez, je tourne là. Attends. Non, c'est bon. Voilà. Regardez. Voilà. Oh. Vous le voyez là. Voilà la ville de Santa. Alors d'après ce que j'ai compris, on était ici. Voyez. Et là, alors le magasin se trouve ici. Je pense que ça doit faire 500 mètres ou je sais pas quoi. Et après, on est en ville. Alors d'après ce que j'ai vu, on n'est pas loin de la mer. Hein, Amina, ouais. On va peut-être pouvoir aller voir la mer. Oui. Ça serait bien de voir la mer quand même, avant qu'on reparte d'Espagne. Tiens, qu'est-ce que tu fais, Amina? J'entends un bruit un peu bizarre. T'entends un bruit bizarre? T'entends un bruit bizarre? Ah, elle attend un bruit bizarre. Attendez, je vais essayer de... Hop, hop. Hein, Amina, oui. T'es avec ton... Mon beau tablier. Ton tablier espagnol, ah ouais. Ça va, tu t'y crois maintenant? Ah bah oui, je suis là. Bah ouais, bon, je dis rien, mais hein, c'est pas plus. Hein. Oh là là, c'est pas encore ça, mais ça viendra. Ouais, ouais, d'accord. Olé. Voilà, voilà où on s'est posé. Bon, là, on est mardi, hein, vous voyez. C'est quand même... un truc, l'escargot est là, vous voyez, on est quand même, bon, la personne, la caravane, là, il n'y a personne dedans, alors on a quand même une place quand même assez importante, voilà, c'est quand même pas mal, hein.
On est quoi aujourd'hui? Mardi. Ouais. Mardi 16. Oh là là, déjà 16. Alors voilà, hein, Mina, on a le masque. Ah bah oui, comme d'habitude. Et notre nouvelle tenue. Ouais, bon. C'est bon. L'habit de bouche. Ouais. Bah, on n'a pas Wally aujourd'hui. Là. On n'a pas pris Wally pour aller se balader parce que on va essayer de faire d'aller jusqu'en ville. Là, on vient de voir un petit truc ce matin. Parce qu'on avait prévu de rester jusqu'à jeudi. Mais on vient de voir quatre nouveaux camping-cars qui viennent d'arriver. Et on commence à se retrouver un peu les uns sur les autres. Et comme vous savez, je n'aime pas. Hein, j'ai l'impression, là, j'étais en train de faire ma sieste. Et j'entendais les gens qui parlaient. En fin de compte, ça m'a réveillé. Ah bah oui, et... bah vous qui êtes réveillé dans sa sieste. Ah ouais. Bah content. Alors si bien que on va partir demain matin. On va rester cette nuit parce que bon, là c'est bon. Mais on part demain. Hein, on va pas... bizarre, hein. Oui, mais bon, on partira demain, ouais. Parce que là, quand même, on est un peu les uns sur les autres et c'est pas tout à fait notre... ce que je cherche. Hein, ouais. Bon, allez hop, on va aller faire notre balade. Je vois la mer dans le fond là-bas, je voudrais essayer d'y aller, si c'est pas trop loin. On va voir si la force de... que la force soit avec nous. Pour aller faire les courses. Voilà, alors là, on fait les courses pour l'instant. Voilà, ce qu'on doit être. Après la balade, c'est ce qui fait qu'on va réagir en fonction de ce qu'on a vu. Voilà, on va partir. Parce que là, ça ne va plus. Voilà. Voilà, on a fait Wally, un petit achat pour Wally. Prêt pour aller à la neige. Ouais, en plus, c'est du pilou-pilou. Hein. Ça te plaît comme ça? Tu vas être content? Voilà. Oui. Il est prêt pour aller skier. Ouais. Bon, je ne sais pas s'il est prêt pour aller skier, mais une chose est sûre. Lui trouver la luge ou... Oh, la luge? Ouais. Tu ne veux pas lui mettre des skis aussi pour le tirer? Ah bah oui, pourquoi pas. Hein? Oh, mon pauvre petit chien. Bon, on va t'enlever ça. Allez, hop, chérie, arrête. Oh là là, nouvelle story du jour. On est quoi, mercredi, hein? Ouais. Et en fin de compte, voilà, ce matin, on voulait partir. On devait prendre la route et... bon, on était, hein, Mina, hein, ouais. On devait prendre la route, ouais. Et on devait... tiens, tu vois, tu... Ouais. Oh, il veut pas, tu vois, il veut pas Mina. Il veut pas Mina. Alors attends, je vais essayer de le grave, prendre comme hein. Ça. Voilà. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le monsieur nous a... enfin convaincu, hein. Il est venu nous dire, écoutez, voilà, écoutez, restez, puis je vous donne une autre place qui est bien tranquille, tout ça, il n'y a personne autour. Et du puis, moins si, un peu plus oui, de place. Et un plus de place, et finalement, voilà. On a cédé. On a cédé. Non, disons qu'il était trop gentil. Il a dit qu'un problème, venez nos chez problèmes, moi. Venir chez régler. Moi et discuter. Regardez, voilà. Alors voilà ce qu'on. Alors voilà, regardez, vous voyez, on a changé de place, on s'est retrouvé. Alors maintenant, on n'a plus personne devant. Alors là, d'après ce que je comprends, on va pas nous mettre une. Il peut pas y avoir un autre camping-car là, puisque ça, c'est la caravane du. Hop, attendez. Hop, voilà. Ça, c'est la caravane du propriétaire. Vous voyez l'espace qu'il y a là, et nous, on a encore plein d'espace. Autrement dit. Aujourd'hui, on va ouvrir notre tunnel là, parce que là, ça. Et en plus, bon, c'est... on a rencontré des gens qui sont super sympas. C'est combien là, elle?
86 ans. Ouais. Et lui, il en a 80. Voilà. 16. Et écoutez, ça nous a tellement, ils sont venus discuter avec nous. Écoutez, on va essayer de les inviter pour boire un verre et on va discuter avec eux. Vous allez voir ça. C'était vraiment une rencontre super. Tu racontes quoi, Mina? Et tu allumes? Ouais. L'eau elle est chaude de suite. Ah bon? Génial. Ouais. Bon, aujourd'hui c'est quand même. Hein? Eh oui. Eh oui. Oh, c'est voilà. Tu vois, il faut que tu le gardes un peu pour qu'il soit un peu, qu'il voie. Ah bah oui, aujourd'hui... C'est l'anniversaire du babou. Ouais. Il a... Point d'interrogation. On dit pas... Ah si. 66. Il a 666. Non, 66. Bah, pas 666. Ouais. J'ai pas 666. 6. Ah, mais... Non, j'ai 66. Oui. Pas 666. Ah. Oh, je suis pas le marque du diable. Ça y est. J'aimerais bien. Bon, allez, hop. On va aller. T'es comme un phénix, tu renais de tes cendres. Oh, ça, je sais pas. Bon, là, on va aller au distributeur et on va peut-être un peu visiter la ville. On va aller faire ça, on va voir. Bon, allez. À un peu plus tard. Et après, il faut que je me mette au montage de la vidéo de la semaine. Hein. Ça, c'est un peu. Bon, à plus. En balade. Là parce que sinon. Ah mais quand tu es bête, ça doit être une... Ah ça c'est la police. Et là il y a un bateau aussi. Ah ça c'est un chalutier. Non? Ils sont arrêtés tous là. Pendant un mois là, ils sont tous arrêtés. Oh purée, ça c'est. Tous les matins sont arrêtés. Ah bah oui. Pour la... Non, on n'a pas venu. On n'est pas venu jusqu'ici parce qu'on va se garer où? Et c'est quoi? C'est quoi comme truc? Mais c'était un fort? C'est un fort? Oui. C'est un fort? À date de. Oh, c'est là. Oh! Ah bon? Ah ben dommage qu'ils sont pas là, punaise, vous auriez pu regarder ça. Bon, c'est là la banque, hein? Ah, le Valdophone, c'est le téléphone, c'est l'équivalent de chez nous, d'Orange, SFR plutôt. SFR, oui, SFR, ça passe à Orange. Ah, d'accord. SFR, ça passe à Orange. C'est... La playa. La rue principale, ouais. Ah. Oh, les pâtes, c'est vrai, ouais. Oh, mince. Attendez. Ah bah oui, non, mais c'est vrai qu'on... On discutait entre nous et... Oui, voilà. Pas grave. Bon, vous avez vu, hein, on a un coin qui était bien. Il y a eu un faux semblant de départ. Oui, voilà. C'est vrai que... vous avez vu dans la première partie, hein, on était très près. On était bien. Et il y a un autre qui est arrivé et le camping-car était...
très près de nous. Et on s'était dit, ouais, demain on repart. Demain on repart. Alors qu'on lui avait dit qu'on resterait une semaine. Alors c'est vrai que Xavier, oui, c'est Xavier, non? Ouais, oui. C'est Xavier. Dès qu'il on lui a, du moins, elle a dit, vous partez? Ben oui, ben, on est trop près. Ah, elle me fait, oui, mais attendez, vous pouvez changer de place. Il nous a montré notre place. Il m'a dit, vous savez, vous allez être tranquille là. La caravane qui est juste en face, il n'y a personne dedans. Elle est à moi. Ouais. Alors, c'est vrai que... À côté, il y a le petit parking où il met sa voiture. Voilà. Et en bien. Plus, il est pas dedans, alors ça va. Ouais, voilà. Alors, vous avez vu, on est resté. Ouais. Et, ah là là, vous voyez. Voilà, il veut se manifester. Voilà, il s'est dit, ça y est, voilà, voilà, voilà. Non, tu vois? Oui, 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 oui. Mais écoute, je suis occupé. Je peux pas m'amuser avec toi pour l'instant. Très... C'est bien. Oui, c'est bien. En fait, compte. Alors, très bel endroit. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de magasin autour. Il faut prendre la voiture pour y aller. Ou aller à pied. Voilà. Comme nous, on a fait la première fois. La première fois, on a fait à pied. C'est quand même assez loin. C'est même plus loin, je crois, que là où on était. Ouais. Hein, c'était quand même à peine un peu. Tiens, je crois qu'il veut venir chez toi. Toi, là, aujourd'hui, ça. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, ça nous non, a c'était, fait c'était... une petite promenade et tout. Ouais. Et là, on a connu, comment il s'appelle Louisette. Louisette et Gilles. Ouais. Très gentil. Génial. En gardant les gestes barrières, hein, vous savez, oui, on avait notre masque. Un mètre de distance. Ouais. Deux fois plus, hein. Ouais, et ils nous ont proposé vendredi, le jour où Babou est à son anniversaire. Voilà. Et oui, moi je suis allée à son anniversaire. Ils nous ont proposé de nous amener en ville, faire un petit tour. Ça tombait bien parce que je devais aller à un distributeur. Ouais. Et en même temps, faire quelques courses. Ouais. Alors on en a profité. Ouais. Et c'est vrai que là, vous n'allez pas voir les images. Parce que... Ils sont plus pudiques, ils voulaient pas... Non, c'est pas ça, c'est que... c'est vrai qu'on les a pas trop pris. Ouais. Et en plus, le soir, j'avais fini mon montage pour l'anniversaire, vendredi. Hein. Ouais. Alors, j'ai pas voulu rajouter le truc de la fête. Puis... Vous le verrez pour le prochain vlog, comment ça s'est passé. Parce que là, j'ai pas... je voulais pas me mettre, comme je sais qu'il y a des gens qui attendent le matin, le samedi matin, tout de suite à 8h. Je me suis dit, si jamais j'attends encore pour pouvoir tout faire et tout, en plus, si jamais je bois un tout petit peu, j'aurais pas les idées claires pour monter. Et oui. Voilà. Alors voilà, c'est tout. Et alors là, oui, on va reprendre la route. Hein. Là, on a décidé tout de suite de repartir. Il faut dire qu'en Espagne, il y a que les grandes villes qui sont confinées les week-ends. Du moins ici, du côté de Valencia. Ouais. On a trouvé un spot qui serait un peu plus haut. Petit à petit, on se rapproche de la France. On va remonter tranquillement. Hein. Ouais. Et ça nous permet de prendre nos marques pour savoir ce qu'on va faire. Ouais. Voilà. Un petit. Et tranquillement. Bon, on va. Je crois qu'on va arriver. Ah oui, j'avais une blague. Ouais. Allez, hop. Ouais, bon, j'espère qu'elle soit pas trop. Ben oui, mais c'est pas grave. Tu sais, ce sont deux mouettes. Oui. Hein, qui se baladent. Ouais. Et il y en a une qui trouve un morceau de pain par terre. Oui. Tu vois. Et il y a l'autre qui vient, il fait. On fait mouette-mouette. Ouais, bon, je sais que c'est nul, mais bon, non, je voulais vous raconter une autre sur Napoléon, mais je me suis dit, écoutez, voilà, la lance. Hein. Tu sais pourquoi Napoléon, il a pas de problème de logement? Non. Parce qu'il a un bon appart. Ouais, bon, je sais, c'est très bas. Mais nous, si, c'est bien. Non, oh mais là c'est là. Très bas. Mais bon, d'accord. Mais écoute, hein, c'est des blagues de notre âge. Non, je sais pas si c'est des blagues de notre âge, mais bon. Bon, toujours est-il que... Bon, allez, c'était la petite blague de Babou. Poup, 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 poup. Ah bah oui, mais... Bon, allez, hop, on va... Allez, on va vous laisser.
Hein, en espérant que vous avez passé un bon moment. Ouais. Et que on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Nous aussi, comme nous. Hein, oui. En espérant que ça se finisse bien, toute cette histoire-là. Et que, merci pour vos commentaires. Petit pouce bleu. Mais tu vois, ça y est, le chien, il est en train de nous... Hein. Babou, il nous fait la petite cloche pour et le petit commentaire. Vous voyez, je réponds à chaque fois. Instagram. Ah oui, bon, ça, c'est ce qu'on fait comme. Comme d'hab. Hein. Voilà. Allez, au revoir les amis. Et portez-vous bien, prenez bien soin de vous et... Voilà. À la prochaine pour le charme.